Welcome to SV News, <laughs> people like share. <laughs> I'm on the street, baby. <laughs> All right, guys, <laughs> <Christ>. <laughs> Welcome back to the last episode. of the season. Of the season. SB News avec le best trio in the game. <laughs> Spenty, misogod LJ. So we oui, said dernier épisode guys, um, la saison de NFL est terminée est longtemps. Ouais, NBA, NHL, Champions League, les sports qu'on parle le plus souvent. De le baseball, le tennis maintenant. Là. Ouais, mais on n'est pas, on pas non. sur le tennis. Non non, 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 On peut faire des petites annonces si on veut, <laughs> des petites pauses par-ci par-là, mais on on va on pas se rencontrer ouais, pour ce sport-là. C'est ça. Donc voilà, on tire à sa fin. Euh, on va faire un dernier épisode. On va, on va faire un recap de tous les sports, de, de euh, euh, comment, comment trouver chaque, chaque saison, la saison 2022-2023. On va faire les petits le petit derniers updates euh, la NBA, puis euh, Soccer Champions League. Euh, et puis dans différents sports. Puis ensuite, on va euh, fermer la saison de SFB. yep yeah, puis on s'en va pour la NFL. yep yeah. Vous ne pouvez pas oublier, c'est pas dans très longtemps. C'est dans. Fin de l'été, là. Exact, exact on dans, deux, dans deux mois. Ouais, dans deux mois, mais deux mois, il y, y a beaucoup de changements. <laughs> dans dans a deux a mois, tu vas, se chandail, se passe, là, dans tu vas avoir ton chandail des Eagles. Yes, John Hurts. Pour me le remettre en face. Exact. Every day. <laughs> Every day. Tu still pas gagné, mais c'est correct. C'est pas sale bête. <laughs> pas Champions. Champions of division. Yeah, that, that's, that's all right. You Réalement. got it. Thank you. De toi. Merci, j'apprécie. All right, NFL. Euh, je voulais savoir comment vous trouvez la saison 2022-2023 de la NFL. En général, là, je j'ai tout, toutes les parties. Game, entertaining, euh, médias, euh, euh, toutes. Là. Comment vous avez trouvé la NFL cette année? Nicky? Bon, moi, j'ai trouvé ça... Euh, comment dire Le fait que genre, les Eagles, hmm. avec Jalen Hurts, hmm. se sont rendus au Super Bowl, je, comme j'ai déjà à la base, le Super Bowl, c'était un gros Super Bowl, so j'ai ai aimé ça. Euh, comme ça fait quand même longtemps que le, la NFL est finie, so, c'est un peu flou, mais mm -hmm. c'est vraiment euh, J'ai aimé que comme il n'y avait pas aucune équipe qui, qui dominait, que, que je pouvais dire... Oh, c'est sûr, ils gagnent comme tout le monde. Là. Comme, oui, les Chiefs, dans ma tête, ils étaient favoris, mais tu pouvais les, tu pouvais les battre. Ça allait ouais. être top, parce qu'ils ont Patrick Mahomes mais tu pouvais les battre. Puis je pense que next year, ça va être encore comme ça. Il n'y a pas une équipe qui est vraiment, vraiment plus dominante que, que d'autres. Il n'y a pas d'équipe que tu les vois, mais tu es comme, ah, c'est clair, ils vont au Super Bowl comme facilement. Là. Comme, euh, oui, c'est encore les Chiefs qui sont favoris, mais... Tu ne pas à dire qu'ils ne vont, ils vont, vont pas faire six, 17 0 là. Il n'y a pas d'équipe comme ça dans cette saison. Non, il y a trop de parité. Which, Which is, is a good thing. But the, surtout dans l'EFC. Dans l'NFC, c'est trash ouais, là. Ouais, mais bon. On a Vikings, on a ben, Eagles. Non. Le fait on que tu as non. dit Vikings, moi, ah, ouais, Eagles non, non, me non. montre qu'il n'y a pas de parité. Parce que <laughs> pas dire Eagles, moi, Eagles, les, Vikings, <laughs> les Vikings, je vous le dis déjà. <laughs> il y a juste les Eagles dans l'EFC. Les Vikings, je vous le dis déjà, next season, il ne faut pas les playoffs. Non. non, ça, c'est il n'y a pas de Dalvin Cook, c'est dead. Ils ont Justin Jefferson? Pas ah, grave, pas de playoff. Pas de play wow. C'était insultant. Garde, je préfère les le Bears, les Lions et les Packers au Vélo. Vikings. Aaron Rodgers. N'importe qui au les Vikings. Les Vikings ont fait les playoffs juste parce que ils ont ouvert Achieve. Ils étaient pas bons. Ils ont pas upgrade pas pas leur peur. team. Puis parce qu'ils ont une trash division. Ouais, puis ils ont une trash division, c'est ça. Ils n'ont pas upgrade leur que team. Les, les Packers, les Bears, puis les Lions. Ah oh, ouais, ouais, ouais. Je vous dis déjà, je suis déjà prêt à bet n'importe quel des trois over Vikings. Over les Vikings. Pour gagner la division. Toi, Aspenty, comment tu trouvais la saison? Euh, ben un peu comme j'ai dit, beaucoup de parité. Ça, tu ne tu sais jamais qu ce qui va se passer en playoff. Mm -hmm. euh, les Bills étaient contenders. Ils euh, se sont fait manger home. frauds exactement. Euh, les Chiefs, qui étaient, qui étaient quand même contenders, mais personne ne parlait vraiment beaucoup cette année. Non. Euh, sur eux. Il y avait les Bengals. Il y a eu... Il y a eu il y a des bonnes teams, ouais. il y a des trash teams. Mm -hmm. Puis l'année prochaine, on va voir parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans la l'NFL euh, ouais. dans les derniers mois. De star player, de star running back, puis mm quelques -hmm. star receiver. En plus, dans l'off-season, il y a eu. Euh, ils ont demandé à Burrow c'est qui le top QB live ouais, de nfl Puis Burrow a dit. Mm -hmm. Moi. Pis, non, il m'a dit lui. Il a dit c'est Patrick Mahomes pour le bon moment. Mais j'ai pas encore gagné de Super Bowl, so je peux pas dire que je suis le meilleur. Mm -hmm. Ils ont demandé la même chose à John Marches. John Marches a dit. C'est sûr, c'est Burrow. Ouais. Puis après ça, t'as vu que quand les Chiefs ont eu leur ring, euh, Patrick Moreau vient montrer qu'il avait les deux rings dans ses mains et tout. Ah, ça. c'est parce des... que quelqu'un avait dit que. John a dit. Ouais, c'est ça, c'est c'est à cause de John c'est ouais. ça qui n'était pas le meilleur cubain. Il, il, un... il a mis ses rings puis il a dit, call me. Je, je, sais, je sais même pas comment il l'a fait. Il l'a fait comme ça, genre, Basically, il a dit, il a dit, c'est pas Patrick Mahomes, Patrick who? Là, ouais, c'est euh, Patrick a répondu sur Twitter que c'est The Ring, that's who. <rire> <The> <rire> well, mais tu vois, ça, c'est une des rivalités rivalité qui se créent dans l'NFL. Je ne sais pas mm. si je vous compte cette saison, mais compte... j'espère les voir en playoff encore une fois. Puis ça va être nice. Moi, mon côté, c'était une excellente saison, guys. J'ai <laughs> été entertain du début jusqu'à la fin. Ça, Je ne comprends pas pour les Jets. <laughs> Les débats, c'est bon, une grosse surprise des Jets. Garde, cette tout, saison. tout le monde le sait. C'est Air Venice le Ben Wagon. Ouais. Tout... Non, mais tout le monde qui m'a suivi, qui me suit depuis le début, tant que je suis fan des Eagles, donc c'était ça, j'allais être bais cette année. Les Eagles sont en finale, mais les Jets. Avec Rodgers maintenant En plus avec Rodgers, j'avais pas Rodgers avant. Là, ils ont Rodgers. C'est un... un grand comeback, un grand coming up. Je trouve que c'est très, très intéressant de voir des, des... 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 des équipes dans le bottom remonter la pente, euh, comme les Lions, jaguar, Jets. Je, je c'est les trois plus gros c est c est Les, les Browns moi. qui ont encore... Eh, yeah. On va voir avec Deshawn cette année pour de vrai. Tu avais Miami Dolphins qui était un threat. Oui, c'est à cause que toi es parti en ambulance que tu qu peut pas pu se rendre plus loin. C'est une autre controverse qu'on peut parler encore. Exactement. J'ai aimé la saison pour tous les gros quatre que Jefferson a fait, Diggs a fait. Ouais, les receveurs, fait, ouais. Les, receveurs je les receveurs, cette année, ont fait des fous. Même les gars des Cardinals, le petit euh, Pat Dobson, même une équipe Dobson, ton boy. Il y, y a eu des gros. Ouais. Y a eu, y a eu des gros plays des receveurs. Running back, c'est très posé comme saison. Les il receveurs, il y a eu beaucoup de highlights qui ont été faits. Euh, je trouve que ouais je trouve que la saison était très très bonne, très très bonne. Pas beaucoup de controverses médiatiques. Donc pas beaucoup de bails d'histoire de joueurs de éclair qui bat leur forme mmh. euh, accident tway avec Deshir watson l'année d'avant ouais exactement il y a eu un tway avec le bah, panneau ouais, des Raiders. Ouais, il n'a pas tué quelqu'un ou whatever c'est moins pire que l'autre off season d'avant exactement donc il une... y a quelqu'un qui est mort dans celui de ah ouais, ouais, de, ouais. De, de Amy rags ouais c'est ah, il est mort oui oui mais ça c'était l'autre saison d'avant ouais c'est vrai c'était l'autre off season c'est vrai en pour dire que comme c'est une saison qui était belle, pas de drama, des beaux plays, euh, des bonnes rivalités, puis une équipe que beaucoup de gens ont fait du hate dessus, mais Eagles, sont rendus en finale Stills. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est une très belle saison. <laughs> Et puis, ma question, c'est vite, vite comme ça, quelle équipe vous pensez au Watch Out Next Season Vite comme ça. Moi, je dis Ravens ouais la mort revient ils sont allés um, chercher des ressources chercher au Dell. moi je dis les jets yep. non je me livre pas à Reed rogers moi je dis les jets yep. je, je, je dis, dis pas qu'ils vont gagner le championship mais je te dis faut que tu fasses attention aux jets ouais je suis d'accord avec ça moi si moi je watch the ravens cette année moi je veux ça pour des équipe par rapport comme oh, ça. miami tu peux non, prendre les Lyons sais, aussi si miami. tu veux non soit les Lyons. Les Chargers? Euh... Les Chargers, c'est leur année. Oh, ouais les Chargers. C'est chocu. C'est chocu. C'est comme, comme les al Je pense, je pense, je pense que je vais aller avec ouais. euh, Atlanta. Oh! Wow! Oh, oh, wow. oh Ok, toi, t'as vraiment pris le pays des pays des pays que tu pouvais prendre. Dans ma division, faut it, Atlanta et... Ok! <laughs> t'as pu, pu prendre, prendre les Saints, ta team. Pour faire un comeback. Non, je... non, mais, mais ma, team, ma team est… Yo, Le on gars. va catch back là-dessus. Hein? On gars, va oui. catch back là-dessus. je vais être avec eux all season. All donc, season. Avant contre les Saints. Le gars a dit mais... ATL. Yo, je suis saisi, oui. ATL. Je... je suis saisi. OK. All right. Mm -hmm. Maintenant, passons à la Est-ce que tu as d'autres sujets pour, la... pour la NFL? Non, nah, we're good, we're good. Ouais. Right. Ça, c'est la fin de la NFL pour cette saison. <laughs> euh, mais a Beagles. dit… the Eagles. Ah, mon chien. Euh, euh, mais a dit… Watch out, Falcons. Gros hot takes. Bon, on va revenir en fait, avec les vidéos, les vidéos Instagram. So, Peut-être que ça peut changer, mais ouais. définitivement pour gagner la division. Ah, oh, tu l'as dit, c'est en tape. So. ETL. <laughs> Parfait. Non, mais ça, j'avais déjà dit, même dans les, derniers, dans les épisodes avant. Comme Je pense pas que les Saints vont gagner à cause qu'ils ont des Ça, oui, ça c'est vrai. So, euh, c'est vrai que t'es un trash QB. Exactement. So, je, ETL. Kep. 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 Ça, c'est triste. NBA. Comment? Oh, d'ailleurs, juste avant, NFL, j'ai vu que Carson Wentz. Y a d'avoir un autre shot, so... je serais pas surpris qu'il vienne jouer. Regarde-tu me regardes moi. C'est ah, ton boy ouais. <laughs> mais c'était ton boy des dotatifs. C'est ton boy. <laughs> non, 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 non. Le gars a voulu des mangos. <laughs> il pourrait revenir dans la ligue à tout son point, je pense peut-être dans les Buccaneers. c'est ah, Colin Kaepernick qui a pas un contrat, ce gars le mérite pas un contrat. Non, c'est pas, pas la même chose, c'est bon, Mais pourquoi. il ouais, trash bon, comme Gubi Dog. Mais tu sais pourquoi Oui, euh, je, tu sais. Cas, oui voilà. je suis Politique. Ouais. Politique. Mais juste pour dire que Carson Wentz pourrait faire un apparition durant le On the season. bench. Ouais. On the bench. bon Pour moi, les... il y a qui dans les euh, Buckeye News? Personne. Personne. C'est ça. Soit il pourrait start. <laughs> il pourrait être on the bench pour, pour, pour les Saints puis... aussi. Pour, pour perdre, faire, faire une fiche perdante? Ouais, pas grave. L'important, c'est jouer, de jouer. Ah, right, man. OK, NBA. Mm. Bon, les nouveaux champions... Première fois depuis leur, depuis leur création d'équipe. Denver Nuggets, champion, ont battu les Miami Heat en 5. Facilement. Facilement en 5. Euh, incroyable. Uh, congrats, Jamal Murray, canadien. Congrats. Mm -hmm. Congrats, to Joker, pour avoir pété des records durant ces playoffs-là. Incroyable. Même si je n'aime pas son style, il ah, faut remettre à César ce qu'il revient à César. Il a, a, a dérangé les gars dans le poste. Y a-tu fini à Average un, un triple-double Non. Non. Quasiment. Proche, 30-13, proche, proche. 9.5. Pas dans tous les playoffs ou je juste Dans achète? tous les playoffs. Dans, dans les playoffs dans tous les playoffs, il n'y a pas fait Oui, oh, non, il fait plein de triple double. Non, mais il y a... Average. tous les playoffs, il y a peut-être average. Mais dans les ouais. finals, je ne pense pas, non. Ok, je suis en proche. Dans la finale, je ne pense pas, mais les playoffs all around, moi, celui qui est proche d'average un triple double. Ouais, il doit être parce proche. Que ça, déjà, déjà là, insane. Insane. Un des meilleurs playoffs run ever. Puis Jimmy Buckets avait commencé, mais il l'a pas fini. Il blé... Bon. Je veux, première question, comment as-tu trouvé les, les finals, Sventi euh, Super plate. Yep. Toutes tout yep. tout les cinq games étaient. En, je pense à part une, toutes les cinq games étaient low scoring. Mm -hmm. euh, les gars cherchaient leur rhythm toute la, toute la game. Surtout Miami n'était pas capable de shot des threes n'était pas capable de rentrer des shots. So, les Nuggets faisaient juste prendre qu ce qu'on leur donnait. Tu sais, des deux points ici, des deux points là. So, C'était vraiment plate comme série. Euh, la meilleure team à win. Haut la main. main. Mm -hmm. so, C'était pas la série qu'on s'attendait qu'elle soit aussi excitante qu'elle aurait pu être. Bon, je pense pas que personne s'attendait à ce qu'elle soit excitante. Moi, oui. Pour euh, upset de Jimmy Bucket. Euh, moi, je vais vous dire, j'ai regardé une game. C'était <laughs> la dernière game. Je voulais voir comment <laughs> ça <a> finit <laughs> euh, Dès que Boston a perdu, puis c'est pas parce que je suis sorti que Boston a perdu, je savais qu'il y avait aucune chance que personne batte j'ai donné deux games aux au Heat ils ont gagné une game c'était un 1 après deux games so j'étais comme ils veulent gagner une game home ils l'ont pas fait non. mais dans ma tête il n'y avait aucune chance que Miami gagne puis quand tu juste à voir les games tu regardais la live comme même si les Nuggets perdaient par 5-6 points tu vois qu'ils n'allaient pas perdre la game là. Non, non 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 so, pour moi c'était les Heat pour moi c'était vraiment que qu'ils sont overactives je dis pas qu'ils sont trash. Je dis pas qu'ils sont trash mais comme ils ont joué cette saison, ils étaient pas bons. Ouais, ça je suis d'accord. Puis ils sont revenus à ce qu'ils étaient durant la saison en finale, c'est juste ça. Mais on peut débattre. Ça n'a pas aidé que ton star player s'est blessé. Blessé. c'est ça que j'allais dire. Mais il y aurait pas stop ni joki Non, 100%. L'équipe, tu vois, le core de l'équipe est bonne parce qu'ils rentrent toujours en finale. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est là. Ouais, le coach. Parfait. Et le et bah, parfait. Mais là, ça veut dire qu'il faut... Bam faire... a show up pendant la finale, though. Ouais pendant parce que Jokic, il s'en défendre le centre. Bam n'a rien fait, le reste... Le non, le reste je les playoffs, il n'a rien fait, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il faut changer la, la structure. Je ne pense pas que retirer Bam est nécessaire. Non, ce pas nécessaire. Mais garder. je pense qu'il faut amener d'autres joueurs, d'autres vrais scoreurs. Parce que Jimmy Buckets Jimmy Bucket n'est pas un Buckets guy. Non, c'est un playmaker, c'est un bucket. C'est un playmaker, gars. C'est un bucket, play non, non, un bucket non, 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 en playoff. Enfin, en playoff, mais pas en, en saison. Pas en saison, mais on s'en fout. Il est là pour gagner. T'as pas peur. besoin d'être bon en saison, t'as juste besoin de rentrer en C'est un, un bucket en, en playoff. Quand est il est pas injured. Mais il est injured, Brown, il se blesse souvent. Mais la fin, c'est que son game est limité dans le sens que c'est pas un 3 point Non. Puis quand c'est mid-range, puis surtout quand il se rend pas au free Là, t'as plus aucune option dans la team. Il y a besoin. Voilà. Toutes les autres équipes, ils ont des... ils ont au moins deux joueurs, deux All-Stars. bad pour Abam, t'es pas, oh, est un pas all pas Mais non, est... pas tu joues, non, non. Comme... tu joues pas comme euh, un second player, t'es un third player dans, dans la league un role player pour moi. Yes. Non, il y a un, un third star, mais c'est pas un second star. Ça veut pas être ton deuxième option. Mm -hmm. Puis même quand Abam fait des 20 points, ça ne valait rien, genre. Comme les, les hits, étaient, les nuggets étaient comme ah, vas-y, fais tes points. On s'en fout. tant qu'on on a shutdown down Jimmy Butler, je sais que vous n'allez jamais gagner. Parce que bam, lui, il peut pas choisir de trois points. Là, tu sais déjà qu'est-ce qu'il va faire. C'est vrai. So, euh, c'est pour ça que live, en ce moment, il parlait de Valley Bill, euh, Damien Lillard. Comme ah, ils oui. savent qu'ils ont besoin d'un scoring guy, mais okay, aussi un, un dis, autre All-Star. Te... Et je répète je mon thing. Oui, Jimmy Bucket, c'est un scorer dans les playoffs, mais. Pour moi, ce n'est pas un vrai scoreur. Il fait ce qu'il doit faire. C'est all un all-around player. C'est all-around player. Ouais. Il te faut un scoreur. Un gars qui a le ballon, il va scorer. <laughs> score. No matter what the situation, comme un Damien Lillard ou un Bill. Je, je veux revenir là-dessus après, par contre. Ouais. Mais là, je termine pour, pour avec les, les Denver, parce qu'il faut parler des Denver. Ils mm -hmm. ont gagné. Est-ce que vous pensez qu'il y a un back-to-back -back qui va arriver? Non. Oh! Euh, L'équipe va pas changer. L'équipe n'est pas L'équipe pas... ils, ont... ils ont roulé à 8 là. Comme ils ont ouais. marché Mais je pense même pas à 8 ouais. Peut-être 7 il y, avait que... le... il y avait le starting line ouais, Qui Bruce, était jokic Bruce Brown Gordon Bruce, Brown. Gordon, Bruce Brown. Non 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 Il était pas dans le starting C'est euh... jokic Gordon M Porter Jr Murray. Murray Puis quadro Pope wow. Bruce Brown of the bench Puis yeah. Chris Brown Brown Chris yeah. Brown, no Brown. sont 7 Ils n'ont pas joué Personne d'autre C'est vrai Tellement que les Heat pouvaient rien faire, genre, comme, disons... C'est vrai. Donc, tu joues contre une meilleure équipe, ils vont te faire jouer, comme, malgré que tu ne joues pas des deep protection, mais comme, si tu ne peux pas faire un play off run au complet à jouer cette joueur. C'est Tu devrais être fatigué, là. C'est top, ouais. euh, Mais ils ont, ils, ont, ils ont eu la chance parce qu'ils ont swept les Lakers. On ouais. Ils ont eu une semaine et demie de repos. Mm -hmm. Ouais, mais Pour quand jouer cinq games après. Quand même, c'est... Euh, les Heat, mais jamais personne en fait je comprends pas, genre, comme ça c'est un autre oui. problème Jokic a été en faute de la dernière game lui puis Gordon ils ont joué sans center finalement je pense qu'ils ont vu Deandre Jordan puis les hits ils ont still fait cook les, les, les backups des Nuggets sont pas bons là. non sont, sont... ils ont non. un bon ils ont un bon corps ils ont un bon size. Ils ont du ouais. size comme backup. Ils ouais, ont mais... tout du size. Mais c'est comme dans, c'est comme dans tout cas, bro. Les... leurs shooters ont vraiment juste arrêté. Ils ouais. sont devenus cold au pire moment. Mais... Mm -hmm. Ça, me... ça l'a vraiment pas aidé. Pour moi, la saison 2023 dans NBA, toutes les toutes les équipes étaient moins bonnes. C'est comme, c'est pour dire si je regarde comparé à d'autres années, mm -hmm. les meilleures équipes. On va dire en 2022 ou en 2021. La, la meilleure équipe était probablement meilleure que n'importe quelle équipe cette, cette saison. cela so toutes les équipes ont, sont plus proches l'une de l'autre. Ou moins bonne. Ça, ça met une parité, mais ça donne une illusion que Nuggets est, est vraiment waouh parce qu'ils ont gagné. Moi, je pense que s'il y a des équipes qui font des bons moves durant l'off-season, tout d'un coup, c'est un autre champion l'année prochaine. So, okay. On regarde, il n'y a pas eu le même champion. Euh, quoi, ça fait 4 ans maintenant. Il oh, n'y no. a pas eu le même champion. Fox, euh, Lakers. Ouais, et puis Golden State. Il n'y a, a pas de team OP. Il n'y a pas de. Comme on va en parler tantôt, mais il n'y a aucune team que live. Je regarde leur roster puis je me dis Ok, c'est ce une nouvelle dynastie en the way. Là. Right. Comme n'importe qui peut arriver l'année d'après puis leur chacun une calotte. Là. Easy. C'est là qu'on va parler hmm. des, des créations de dynasties <laughs> qui sont en train de se faire <laughs> présentement. Wanna-be dynasties. On va aller avec les Suns. Oh my god. <laughs> Nah, nah. bro, nah. Donc, je vais laisser Mizzogoi commencer à cible Parle-nous des Suns Les Suns ont tweet pour euh, Bradley Beal mm -hmm. Bon score, c'est un bon joueur Former All-Star, ça fait quelques temps qu'il n'a pas fait All-Star Il a été greedy, il voulait le club Il est resté à Washington quand il aurait pu partir yeah. Ils ont tweet Chris Walsh. Qui n'est pas mauvais ah. Attends, attends, attends Qui <laughs> n'est pas mauvais Ok. Mais là, ils sont rendus à... Ils ont gardé Ethan il voit qu'il ne peuvent pas vraiment trade. Non, oh. parce que personne ne le veut. Mais c'est pas la fin du monde que tu gardes, Aiden. Moi, je trouve que c'est la fin du monde parce que tu peux perdre tous tes stats en saison, je m'en fous. Mais en playoff, je sais c'est toi je vais attaquer. Ouais. Et Comme... Aiden ne prend pas assez de rebonds et il n'est pas là défensivement. À moins qu'il augmente son game Yo. durant l'off-season, sérieusement. Il faut prendre du poids. Jim, il faut qu'il prenne un hide. Non, moi, je pense, non, c moi, je pense que c'est juste du will. Est-ce qu'il veut S'il ne veut pas, ils vont rien faire. Okay. Mais... T'as plus de point de guard. Dans un point guard. Bill peut jouer quand même. Non, c'est pas Il, peut, bon pas point non, non, pas il peut pas jouer la même chose que Chris Paul, mais il peut monter là. Il peut si jouer du booker guard. Booker guard! À la fin de la day, Bill, c'est pas un defender. Non, il n'y a personne qui va défendre. C'est ça, ça le problème pour moi dans ce team. On va finir 150 à 148. Puis, Puis t'as style pas de backup. Ils vont perdre, t'as dit? <laughs> Puis ils vont perdre. Wow, t'es Ta... chier. Non, ils vont gagner. Ils... T'as style pas de sub. C'est un plus off, donc. C'est un plus off que tu vas as, pouvoir les attaquer. Voilà. En saison, ils, ont... ils vont rouler légal. Ils ont trois gars qui sont capables de scorer comme ça va être 24 points être Time ici. management overload. C'est pas grave. Parce que quelqu'un va aller sur le banc, il y aura toujours un 20 lead points. C'est ce que tu t'attends. Tu as un 20 lead points. Non, peut-être pas un 20 lead. Parce que vous donnez 100 points gold, pour orchestrer autant de joueurs. Au moins, Chris Paul, qu'il ne voulait pas scorer et il veut... Il, il, veut il veut gérer la... Ouais, je comprends. Je sais déjà que Kevin Durant, il y a un bédard mentality. mentalité. So lui, ça ne le dérange pas de donner le ballon aux autres. Ouais. Okay. C'est le meilleur scoreur, mais il va donner le ballon aux autres. Ça ballon il s'en fout. Il va attaquer, mais Bad Beal, c'est un gars qui score aussi. Là. Ouais, comme ouais. Ce gars qui veut scorer, il n'est pas là pour juste faire des passes puis chiller dans le corner. Là. So, à l'idée de deux, d tu as comme trois gars qui... Qui, qui veulent la la qui balle. peuvent dominer le ballon puis shot des gars qui peuvent faire des 40 points il mm -hmm. y a un seul ballon il mm n'y -hmm. a pas de playmaker comme ok ils ont Cameron Payne mais non c'est pas lui exactement non mais là tu joues Cameron sais, Payne puis ils est ont vraiment small ils ont plus de cap space anyways pour prendre personne ok guys guys, guys. quelle stratégie qui va se passer okay, vous êtes prêts? Mm -hmm. vas-y beaucoup va monter le ballon ouais Kiddy va rester sur, le, euh, sur les sides pour les 3 points

Alopani, il y a une open yeah. shot. Il y a prendre. un ouais. des gars qui doit prendre le bord. Et c'est KD qui dit, KD a le meilleur 3-point oh. percentage à voir d'autres Regarde, Il y a un ordre dans cette affaire-là. Buker est premier parce que c'est statistique. Ouais. puis, Duran ne veut pas s'imposer. Exact. Duran de de est de deuxième parce qu'il est le meilleur scoreur de la NBA. Facts. Mais c'est le, le seul gars qui peut catch and shoot. Entre les trois. Non, le catch and shoot, ça va être le quatrième gars qui va Mais tout te sauver. Il, il va enlever des bricks. Pas, pas grave. Parce que c'est tout des gars. Il joue pas de des ballons, le quatrième gars. Ça va être du iso ball à, à grandeur, mon gars. Kevin Durant je joue même pas vraiment tant de 3 points que ça. C'est pas un gars qui. Il aime ça trop. Il aime trop ça mid-range. Il, il va être il, va, il va à trois points, tu vas lui donner le ballon, il va du ball, Il va rentrer en double pull-off dans ta face. C'est correct, ça. La Au seule et unique stratégie qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'est-ce que les Celtics ont fait aujourd'hui. Il aurait dû aller chercher un gars comme Porzingis, un Senneux qui a une 3. Sauf so que s'il va à la ligne de 3, faut que le Senneux il sorte pour aller le guard. Mm -hmm. Puis là après, tu peux faire du ISO ball. Avec Ethune dans le centre, même si le gars il sort, ton sénu va rester dans le, dans le paint puis il va attendre. C'est bon. ça le problème avec ce le moi, je, leur je ball. Je dis pas, ils vont gagner des games parce qu'ils ouais. ont trois super players. Mm -hmm. Comme t'as trois, t'as as un trio d'All-Stars. Puis t'as un bon quatrième. Ils vont win. Yeah. T'as Ethan, moi je reste à Ethan. Tu tu gagnes pas de ring. Ouais. Alors qu'il me prouve, tu gagnes. Pour moi, Ethan, c'est pas un winner là. So, euh, c'est vrai que souvent les centres, des fois, ça leur prend un peu plus de temps avant de s'imposer dans, mm -hmm. dans la ligue. Mais et Ethan, c'est une affaire de est-ce qu'il veut, est qu veut attaquer le ballon Est-ce qu'il veut prendre le rôle Je prends les rebonds, puis je fais juste 9 points. Mm -hmm. euh, comme. Il, il doit, Ethan ne devrait pas average 15 points là. Il devrait. Se forcer à average 15 rebonds, Bon, ça devrait être ça son goal. Exact. Puis s'il si fait ça, ouais. puis il fait des blocs, ils, ils vont gagner. Je pense pas que ça va arriver, mais. Mais c'est ça, moi non plus. So... Les Suns, pour ouais. moi, euh, même pas contender. I'm sorry, mais. Bon, je dirais pas ce qu qu'elle a. Moi non. Moi, ils vont faire les playoffs 100%, mm -hmm. mais ils vont pas content. Ok. Des pensées aussi à se pogner un petit point gold en de l'eau. Qui va aller là-bas ouais, J'ai vu Tyus un... Jones. Peut-être peut peut l'endroit ball. Parce qu'il se fait blackball pour la NBA à cause son, de ses blessures. il y a encore un contract. Mais j'ai vu Tyus Jones pourrait être euh, un gars qui en, pourrait ouais. trade très, que, euh, il être un trade. Parce qu'il veut être star leader d'un team. puis une bonne day. Il ne veut pas attendre que Jermain intervienne pour, 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 pour le bon pour les Suns. Comme je rép, on le répète tout à l'heure, même le point gold, tu ne tues pas le ballon. C'est beaucoup qui fait toutes les plays. C'est beaucoup qui a toujours le ballon en premier. C'est pour ça que t'as besoin d'un S&A qui joue des 3 puis un power forward qui joue des Ah, mais c'est pas trois. comme ça que Chris Paul est là. C'est que Chris Paul est pas là. We'll hmm. Anyway, pour aller à Chris Paul pis Porzingis comme comme t'as dit, les deux ont été trade euh, au... Ben, Chris Paul fait partie du trade pour Bill. Il est allé au Wizards. C'est ça. Et là, ça allait ça Paul et Porzingis Mais là, Porzingis est parti pour aller <laughs> au Celtics pour Brompton Brompton, avec les Clippers. Non, non. Brompton va a Wizards. Wizards. Les Clippers sont là juste pour donner un pic, pour libérer je sais pas quoi. Ouais, puis là, euh, il y a des rumeurs qu'elle allait aux Clippers, c'est les rumeurs qui parlaient. Ah peut-être c'est ça le peut-être c'est ça le au complet. Au complet. J'ai pas vu le trade au complet mais je sais que Paul Gills devrait aller au à Boston. Je suis pas fâché du tweet parce que les boss, les Celtics avaient Smart, White et Brogdon qui étaient joueurs. trois joueurs qui faisaient les mêmes choses. Mm -hmm. euh, Posing, là, ils sont allés chercher un, un Big. C'est mm -hmm. chic. que Pozingis, ce n'est pas un rebounder, mais au moins, c'est un autre gars qui est 7 ouais, pieds. C'est pas comme si All-Orford All All jou, All jouait en défense, mais il ne prenait pas de temps de rebond que ça. Ouais, non, ouais, mais ce que je veux dire, c'est maintenant, tu ça. me dis, tu as Orford, Robert William et Pozingis, tu as un trio de Big. Tu si sais, Tu peux jouer, jouer Pozingis Power Forward déjà il aime ça Chile à la 3 points sur lui est good avec ça là tu me dis t'as Porzingis et Robert Kuliam on va dire starting lineup up t'as deux buts qui peuvent block les deux sont Porzingis est même plus gros que Robert Kuliam Tatum c'est un gars qui on a vu voir rebond il est presque 7 pieds 6 pieds 10 quelque chose comme ça donc t'es un team qui est big mais en même temps t'es mobile ça l'affaire qui arrive avec ce team là c'est ça tu peux chou. moi je trouve que c'est une bonne acquisition puis dans ils ont eu un pour une année, il a dérangé, ils l'ont flip. Pour Posinguice. La Posinguice va être free l'année prochaine. Puis ça se fait qu'ils fassent la même chose. Si Posinguice a une bonne saison, ils ne se blesse pas, ils vont le flip pour plus cher. Yeah. C'est ça. Right. L'autre euh, uh, big news, Green. Green n'a pas pris... Euh, C'est quoi, une extension un Il so, ouais, so, so, y a du client sur option. Il so, a cancellé de 27 millions. Je uh, veut ça. Uh, là, il cherche une team. Non, il cherche pas une team il cherche pas une team il est déjà en train était déjà avec LeBron. non il cherche pas une team il a dit il où veut qu'on le il veut le re-signe le pour le, le reste du contrat que lui. Ah, il reste trois ah, ans à que lui à son ah, contrat ah. So il veut le maximum qu'il peut avoir pour le reste du contrat que lui. Ou sinon il bouge je guess. si il bouge il va au Lakers oui, il est en train de chiller euh, avec LeBron. Avec avec brown ben bah, oui c'est des meilleurs amis en France là je sais pas où -ce il était en France exactement ouais, bon.

à qui tu parles, toi, Fiamprint C'est ça. Non. Euh, il va pas aller à l'Equus pour le ring. Non, il va aller à l'Equus pour ça avec son boy. Lui, il veut un, max, il veut un dernier max contract. Je Ouais, Je pense, veut. Ouais, je money pense que c'est ta ta Money Talks. je pense que c'est ça. Il va, il va aller dans une jeune équipe mais, alors. Non, il ne va pas aller dans il une bah jeune là, équipe. C'est Golden State et Il veut Money Talk d'un team playoff. Il va aller en playoff. Parce qu'il va pas en playoff, il sait qu'il va se faire tellement 10. Il sait qu'il veut absolument dans du playoff, mais il ne va pas prendre de. Non. Il ne va pas prendre 5 millions là, comme pour à par année. Ou 8 bucks. Il y a football. deux mi, options. Il y a Golden State, moi, moi, Golden State et Lakers. Moi, <laughs> je suis d'accord avec Golden State et les Lakers, same. Je peux être saisi. Regarde, j'ai du cup. le, le Jermon Green, a l'air de ce gars qui est mate avec son cop Jermon Green va avoir soit du pity money from Golden State. Il va avoir L le LeBron money des Lakers. C'est tout. Les Lakers ont pas de ça. Moi, je... Golden moi, State. Je... Ouais, Golden Dans les deux cas, il va rester dans la dans la dans cette area. -là. Les deux sont, sont proches. Il va rester <laughs> Californie. Au... dans la C'est garanti. C'est l'équipeuse ou ou au Golden State, il va essayer de les dire les deux. Mais t'as raison, c'est ces deux équipes là. Moi je sais pas il va. Pour moi, Jamal Green c'est un gars qui est dur à mettre dans une équipe. Oui, il y a, y a ses skills, mais il y a aussi ses limitations. Puis les oui. avec les Warriors. Ça va bien, comme tu peux, mais c'est pas toutes les équipes qui sont faites comme les Warriors, so. Je sais pas pour du Green. Ok. Alright. Là, je voulais parler vite, vite, là. parler vite. Des trois prochains prospects pour le draft. Je vais parler de Jamarin qui a eu son. On a, on, on a passé à côté. 25. So c'est quoi, 25? 25. 25 games. Un 25, 25 games. T'es déçu. <laughs> Je t'ai déçu. Ah, ont... Moi, je, pense que, je pensais qu'elle les allait faire. Tu veux un... tu fais partie des médias qui veulent son head Non, non, c'est pas ça que je veux. <laughs> un peu. Un peu. Je voulais juste qu'ils qu comprennent sérieusement parce que 25 games pour moi, je pense pas que c'est assez. 41 games, moi c'est moitié de la saison. 25 games, 41 games, ça fait du ça. Yo, bro, 25 games, c'est rien. Le gars rich, non, rich. Tu sais combien il est 20... bien, 25 games. 25 games, beaucoup. 8 millions. C'est beaucoup, 8 millions. Mais il a pas juste perdu ça. Il a perdu. Oui, il, a perdu le 30. il a Il a perdu sur la possibilité d'avoir un Super Max. Ouais. Puis. Comme il a, tout, tout ce qui s'est passé, là, il a probablement perdu comme environ, peut-être, 60 millions. Là. Ça, c'est même des commanditaires. Il a perdu il a, la danse. Il a perdu des commanditaires. C'est vrai. Il, il, comme. La personne joue dans NBA, il ne va jamais être down à zéro. Comprends? Ouais. Mais il est down bad. Ok, voilà. pour un joueur de l'NBA comme. Non, ça pas un that wasn't, that wasn't a smart move, man. Tu puis ça, c'est le genre de choses que les. Je m'en fous, les non. Grizzlies sont comme. Ouais, parce que c'est juste. Parce que que c est comme game, la... mais... Non, c'est pour ça. Parce qu'on n'a pas besoin de le payer cher, first of all. puis il va rester. si on peut rajouter un autre joueur maintenant, on peut le faire parce qu'il n'y aura pas mm. le Super Max. So, les, les teams, là, pense pas qu'ils sont vraiment fâchés qu'ils partenaient pour être un et tout. C'est comme, continuer à faire des dumb shit, mm. on va pas te payer. C'est la même chose comme quand tu vois un joueur avec Andrew prone Oui. Il veut garder, le joueur. Mm -hmm. Mais quand est Andrew prone il va te mettre Andrew Brown, mm -hmm. je ne vais pas payer. Mm » -hmm. On va te donner 20 millions gars, par année. C'est tout business. Ils savent que les gens vont se dire, « No more donc sur so, quelqu'un. » C'est vrai. Yo, ça, première game. Regarde les fourreaux Tu sais c'est quoi ta première game? Christmas. Oh, wow. ah <laughs> oh, oui. <laughs> <laughs> je suis pas avec toi, mais tu joues Christmas game. Oh, wow. Okay. So, it's a business, baby. It's a business comme yo. Max au vrai. What? Nick a calculé tout ça. Non, non, yo! Euh, ok, analyse. Max. Il est bon analyse qui a calculé. C'est déjà calculé là quand il revient là. Business. Oh, wow. du money. Comme... Dead. Il est juste en break. En break, il, il, <laughs> il oppose. Il 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 ah, J'ai pas aimé son apology a dit en plus. Moi, moi du monde comme ça. Là. Repeat, des repeat offender, mon gars. Puis tu m'envoies un, un, tu, tu <laughs> un autre message comme ça, man. T'es fucked up. Il a rien fait de sérieux. Non, il a, 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 a rien fait de mal. Mais vrai, comme t'es un mauvais role model pour plein de gens Mais qui a dit qu'il voulait être un role model? Yo, t'es joueur à l'NBA, t'es une super-son à l'NBA, t'as pas le choix, Niki. Non. Pour reste, ça fait partie de la job. Non. Niki, ça fait partie de la, la non, job. Non, non. non, Il y a des gens qui vont copier pour Bang bang bang. C'est vraiment ça qu'il faut. Le mais les gens Yo, celui qui veut me prendre comme role model va me prendre comme role model. Peu importe ce que je fais là. C'est pas comme ça que ça marche. <laughs> euh, oui, c'est comme ça que ça marche. Le nombre de gens qui prend des rappers comme role model, c'est pas comme si c'est des. Parce qu'il y a pas de musique. Mais c'est pas bon non plus. Mais c'est pas bon non plus. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, c'est grave. Imagine, un rappeur devient oui. rappeur à cause de nous mais il, il a un du lui, il devient... Yo, les gens s'en foutent, là. Alors, end, People the, the... die from this. <laughs> c'est okay, exa... exact... okay, exactement y a du, ça. Il y a des gens, a des gens qui meurent à cause que les politiciens disent je suis d'accord avec toi Je suis, yes. la... suis d'accord avec toi. Oui, Et pour eux autres, les gens all, meurent... All them should not do this. Les all gens, of them. Les gens meurent every day, OK? Moi, dans mon individualisme, à do my je suis là de basketball court, je fais mes affaires. Non, je suis d'accord avec toi, Nicky. Adoumi, ok. Je suis d'accord avec bah, toi. Bah, Peut-être que je pas shoot personne. Ah, good. Mais moi, si moi je suis John Moran, je ne peux pas décider si quelqu'un veut que je sois son romandole ou pas. C'est lui-même qui le décide. C'est ça. S'il me voit faire qu ce que je fais, c'est lui seul qui va me copier. C'est une mauvaise chose. D'accord. Moi, j'ai une chance de me copier pour le basket, c'est tout, là. Mais t'as raison aussi, <laughs> de ton côté, les politiciens sont pas mieux parce que là-bas au States, vous on savez. Les aime pas on les aime pas non plus. À la base, pour, là. Pour les... Oui, il y a plein de monde qui les aime. Un des joueurs que... pas, on peut commencer ce débat et oui, aller bien loin. Mais là. nous, on veut pas encourager ça comme non. on n'encourage pas non plus. Exact. Un des joueurs qui était plus. Mais il était pas dans tout ça, mais un des joueurs qui était plus. Premier, genre, c'était Iverson. Puis c'est pas parce qu'il. Parce qu'il y avait là de bons vagabonds, là. Ouais. Comme... <laughs> Pas oh, Pépin, mais oui. j'ai oublié. Euh, euh, Runman. Runman ouais, Run euh, aussi, là. Puis, les gars, probablement, ils avaient. La seule différence, c'est que le... Jamorant, il y a social media. C'est juste ça la différence. Je les autres faisaient vraiment la, le même shit, mais ils ne se filmaient pas en caméra, puis personne ne les voyait. Le Jamorant, il faut juste qu'il y après. Fais tu... ton bail, fais-le. Arrête de le montrer. C'est ça qu'on te demande. La NBA, c'est juste ça qu'il te demande. Il te dit, shoot pas personne. Tu peux chiller avec qui tu veux chiller. Tu peux avoir 10 000 guns si tu as. Fais juste rire. Pas sur Instagram Live. Bah, pas On sur Instagram, Instagram Live. Oui. C'est tout. C'est la seule chose qui te Parce demande. Parce que tu représentes la, la, NBA. la NBA. Tu es notre employé. Ouais, mais tu peux faire ce que tu veux. Oui. So, juste ne, ne montre pas. Ouais. Si moi je vais sur Internet, là, je fais un tétin, puis ma compagnie me voit, ils ont pas le droit. J'ai pas signé une affaire, un contrat qui dit ce que je fais dans mon temps libre. Lui, probablement, il l'a fait. Lui, c'est sûr que oui. Dans son contrat, il y a un bail. Tu oh. nous représentes. Fais ton respect. <laughs> tu comprends? Il va, il, va, yo, il va revenir. Il va still continuer à dire des lyrics. Oh c'est sûr. Des gros vagabonds. Ben, ben. Yo, le Fime-toi oui. pas. Sa première trois points, il va faire le... C'est correct, mais filme-toi pas. Non, ben tu fais ça. C'est correct, mais c'est même un c'est C'était quoi? On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Puis c'est Jamorin. <laughs> <laughs> Ça veut dire encore plus quelque chose. Ah là, c'est dead. Là, à chaque fois qu'on va le faire, c'est dead. Ouais, fine. Ah, non, c'est vraiment fine pour ça. Le bon le fait aussi. Le bon le fait, oui. fait aussi J'ai ouais, vu oui. Oui. le bon faire. Ouais. C'est vraiment Le so, je... faire comme ça, le va comme ça. Pas grave. Dès que tu fais un bite, <laughs> c'est dead. À moins que la NBA veut enlever tout ça, Là, ça, les gens vont trouver sa place. Pas 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 ça. Ça. Exactement ça. So, do you. Do you. C'est ça son brand. Ça But now mais il ne va pas changer tu vois qu'il coupe ses deux mais... bientôt <laughs> bientôt, euh, bientôt mon gars il va, il va donner, donner euh, Christmas and Chas avec Ahmed Jesus Ahmed <laughs> <laughs> <I> Jesus Ahmed <laughs> uh, Jesus à Christmas Christmas Day <laughs> et ça va, ça va partir de ce soir les gens veulent déjà Mohamed parce que la façon ils se comportent Yo, nice, bon, juste il est nice qu'on dise qu'il soit limité ils comprennent que arrête de filmer bon c'est ça change ton entourage et tout là j'ai pas jeté son Jesus là il est là Ouais, ben ouais, c'est sûr, veux... sûr, sûr. Mais, normalement... C'est correct, parce que nous, on est adultes. On est... Je ne vais pas faire les mêmes conneries si que si Jamarin. Te... Si je te parent, je ne peux pas dire à mon enfant « Je vais t'acheter un jersey Yo, de Jamarin. Je Jam Jam ne veux pas faire ça. OK, puis là, euh, tu vas avoir donc sur Polo Puis là, tu vas dire « Non, non, non. C'est pas dur. C'est pas va Tu vas a deux posters. Il y a d'autres joueurs. Non, il faut... Parce que regarde, Curry, il a son mid-range 3 points, OK? Ouais. Euh... Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont quelque chose de vraiment spécial, que, comme quand tu regardes, tu es comme waouh. Mais quand Jammerman arrive, c'est le seul joueur de, parce qu'il n'est pas si grand que ça. Quand il arrive, puis il poste des gars in-game. Il n'est athlétique. Oui, je comprends. Tu vois, là, elle a, même quand il gratte le poste, il a été partout. Il rose. Il a fait un poste. Il rose uh, 2.0. Ouais. C'est ça. So, c'est place un marketing value qui est énorme. énorme. So, mm -hmm. Jamowent, là, la NBA, s'ils comme si Jamowent n'était pas vagabond, vagabond, ils auraient essayé de le mettre comme face of the league, là. Parce que le gars arrive, puis donc sur toi, puis YouTube, là, on lui repeat. C'est vrai. Puis c'est aussi pour ça, je pense, pourquoi ils n'allaient pas le, le, le touiller, là, comme avec un one year suspension. Parce qu'il a rien fait de mal, il a Alors, fait À la fin de... la journée, il a rien fait de mal. C'est juste épais. Moi, j'ai code sur le qu'on on a fait une investigation. Moi, j'ai entendu qu'ils trouvent des affaires. Criminel là, tu veux qu Il, il n'y a oe, rien de criminel Ça gagne la... Pas de gagne C'est dans tout ça, ça Mais c'est pas lui Ça s'en fout La NB aurait vu Qu'il faisait ça Ils n'auraient rien dit Ok mm. Ils n'auraient rien dit Si c'est pas la police qu'il a eu We didn't know Ça okay. allait faire oh, dans oh, la NFL Business T'imagines T'imagines Il n'y a plus de Jammerant Non Memphis peut jouer sans Jammerant Mais quand même C'est lui le show C'est moins flamboyant Mais les gars gagnent des games Comme ça Lui là Mais c'est lui le show C'est lui le show All right, um, trois prospects pour, pour le draft, vite, vite, là. Le premier, on sait tous, c'est Victor Wambanyama, le, le fruit de 7.5 de France. 7, 5, 7 pieds 6. 7 pieds sep, six? 6, 5? 7 pieds 7. Unicorn. Unicorn, il est long, il est long, il est long. L'autre, Scott Anderson de League, qui a vraiment écrasé au Geely, qui a vraiment impressionné tout le monde. Et Brendan Miller. J'ai une meilleur parce que il a fait, un dit upset récemment durant les médias. Back sur lui. Il a dit que Paul George était son goat. Son goat, son joueur préféré. Son goat. Son goat. Yeah. Pandemic B? Pandemic. <laughs> ça arrivé. se peut, ça se peut qu'écouter les, les seuls players friends qui écouté, c'est ça. Yo. Parce que. <laughs> Go, this guy, this guy, I don't know. Il, il joue il yo. joue au basket. Il est censé au basket. George. Yo, yo, c'est le number <laughs> third pick, mon gars. Yo, ah, yo, Pandemic pieces ils sont GOAT. BDM, je ne le draft pas juste pour ça. Juste pour ça. Juste pour ça. You you go go down. 3e, you tu es 3 e tu finis 20ème. You go down. You go down. Pandemic ma... Paul George est bon. Si c'est ton you board bon. knowledge qui dit c'est ton GOAT, you GOAT. you, GOAT. T'as GOAT, that's crazy. Yo, pourrais-je pourrais dire que un, un joueur que j'aime. Ah, ouais, j'aime, ouais. GOAT? Mon gars, tu ne te tirerais une balle dans le pour le draft. Non, mm. facilement. Bah non, mais je veux dire. Oui. T'as l'air d'un con. T'as l'air d'un épée. Oui, même draft. Surtout quand t'as dit Michael Jordan. LeBron James, puis toi tu dis non, Paul, Paul George. George. Mais que te... toi un GOAT pour toi c'est beaucoup. Ça veut dire que sa mentalité, la manière qu'il agit off the court et in court, c'est ton GOAT là. Ouais, puis Paul George shouldn't be that. I'm sorry, non. Yeah, Pandemic Peeve. Ça vaut rien qu'on l'appelle comme ça là. Anyway, bref, pour cours, on sort court là-dessus. Comment avez-vous trouvé la saison 2022-2023 de la NBA Moi, je vais commencer, puis je vais prendre ça à la chaleur à Freeman. Euh, très entertaining. Très entertaining. Il y a eu beaucoup de drama à travers la NBA, même durant l'off-season avec Zion. <laughs> Pour que c'était comme un reality show euh, Denbuk qui a son premier, premier euh, ring. Un, ring. ring. Mm. Euh, LeBron qui se fait sweep, ça c'est surprenant aussi. Après avoir mal commencé, mal mal commencé venu, est... tout le monde pensait aller gagner, puis ça, là, exactement. C'était vraiment, vraiment un tout énigme. Média, game, uh, 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 off, on the, off, in and off the field, c'était incroyable. Moi, well, dès que les Lakers se sont fait sweep, oh, c'est une bonne année. C'est mon copartner dans cette team, hein. Ouais, moi, je suis, moi, je suis, je suis, moi, je suis down bad. C'est Damien Lillard. La Miami, en passant. Il, il a son mot bouge. Mm. La ah, pas, moi, je pense pas, pas qu'il bouge. Je, le pense le que le guy. je pense que quelqu'un va venir à lui. Mm. Mais je pense pas qu'il bouge. J'ai vu, euh, il serait intéressé à voir Zion. Ouais, oh, moi, au moins, je prends Zion. occupé, bro. Bro, vous avez oublié, mais les Pelicans étaient first au début de l'année quand ils étaient LT. Ouais. Just remember. Mais finit jamais LT. Il finit jamais LT. Je suis d'accord avec vous, mais il était first pas grave. Pour très longtemps pendant qu'il était healthy. Il a la place de s'occuper de son corps et il va fuck des point stores. Arrête là. Aïe, ah, ça c'est... Qu'est-ce qu'il veut dans son temps? Il a pas, il a pas show up un gun sur Instagram live. Il a juste bang une point store. quand la point store parle plus que le gun man. Yo a mon a bon <rire> <rire> Mais... La point, point store ne donne pas des problèmes par euh, exemple. Oh! Oh! Il a dit... Pourquoi tu penses qu'on veut le trade? Mon gars. C'est à cause de elle oui. Sa sa menace, Business baby! Bro, sa menace vaut absolument zéro fuck-all. Tu ne yeah. penses pas qu'il y a du monde qui vont abasser ah bah dans okay. no. le Zion Il y a Même Memphis! Who cares? Il y a fucking porn star, bro. Il y a un sex tape. Sans le sex tape. Non, ce n'est pas juste ça, c'est parce qu'il n'est pas focus sur le basket. Non, c'est n'est pas ça. Il amenait des random bitches. Sorry. So, random woman. Encore so, so side side-seat. Puis c'est yeah. lui qui payait. Il allowed okay. to do that. Tu regardes. Il y avait une femme pendant faisait ça. C'est ça le scandale. Regarde ça. Si je te dis. Tchamorant, Zion. Ils y vont. Comme basketball player? Live, avec tout leur bagage. là. Live? Live, là. Tu prends job parce que je sais qu'il va jouer. Ben voilà. Venez là. Venez là. Même ben, si je juste te il qu'il va pas être blessé. Parce qu'en plus que t'es blessé. T'es même pas focus sur ton fucking recovery. T'es sur oh a back bitches. Mais mais ça. Non. Mais c'est ça le problème. Même quand tu joues pas, t'as des 5 cinq formes. Je prends je prends des gars. Ça dit t'as même pas quelques formes. <laughs> tu quand ça, pas. tu joues même pas. T'es <laughs> juste là pour t'plier oh. pour que vienne emmerder bébé. Brendan Ingram. Oh. <laughs> à, la... à la fin de la journée il a rien fait de mal comme il a ouais. rien fait de... il a rien fait de mal il mais... fait... y a bang une pointer. en fait il a pas il a bang beaucoup trop de filles beaucoup trop de filles <laughs> c'est quoi le comme... non mais je veux dire au moins tu sais que j'ai sur 25 games il va revenir. il va être sérieux il va être je sérieux ouais. il va être sérieux jusqu'à temps qu'il fasse une connerie ah, mais ça se veut qu'il fasse pas de connerie ça veut qu'il fasse plus de conneries. moi je pense dit ce que t'as que j... Là, il va être 100% des... blessé. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. Bon, 100% blessé. Pour ça, je prends quand la... il est blessé, parce que, Zayen, c'est ça le problème. Quand il est blessé, mm -hmm. il ne reste pas à New Orleans avec la team. Il va à Miami, il va, il va rehab à Miami, comme il away from the team. Mm -hmm. so, Donc, d'abord point, tu n'es pas avec la team, on ne sait pas ce que tu fais, mais quand on... maintenant, on apprend dans les news que tu fais juste des... autre chose que de t'entraîner sous le basket, à guess. Puis en plus, quand tu t es supposé monter ton poids, tu deviens juste plus gros. Euh, Live, Jamoran, ma malgré toutes ces charges hein, ah, Je prends le 25 game et je, je prends Jamoran, c'est 100%. Il risque de ramener plus de cob à ta team. Là. Oui, d'accord. Mais, mais baggage... Zayon est probablement le meilleur. Ouais. I'm just saying, baggage for baggage. Moi, je m'en fous de ce que, que Zion fait. Euh, si amène 8, 12, 14, 16, 20, 20. Le nombre de femmes que tu vas amener, amène-les, Dès que tu joues au basket. Non, mais il fait partie du bagage aussi. 100%. Ouais. Mais comment t'as trouvé la saison à la question. Euh, Bonne, mauvaise. Bon, moi je peux ouais. aller. je suis Betting wise, I didn't like it. No. Oh <laughs> man, betting wise. Mac. Il y a une parité dans la ligue où ça rend ça plus intéressant. Puis c'est ça que je n'ai pas réalisé. Dans ma tête, il y avait des teams. Il euh, y a des teams que dans ma tête, ils allaient smack tout le monde. Puis c'était pas ça. Les time. Nets. Non, les Nets. Euh, je... Les Nets. Eh, surtout qu'ils avaient le, début, le issue avec Kyrie et tout, mais. Non, c'est juste que je pensais vraiment qu'il y avait des comme Milwaukee, je pensais qu'ils allaient être meilleurs. Euh, okay, pense... Les Suns, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant d'injuries. Euh, Miami, je pensais qu'ils allaient être meilleurs. Malgré qu'ils sont rentrés en Conference Final en saison, ils étaient horribles. Pas très bon, non. Euh, les Raptors étaient horribles. Ça, on ne s'attendait pas à qu'ils soient. Euh, mais tu as d'autres oh. équipes comme. si sais, qui. Le Thunder. Les, ouais, c'est ça, Thunder, très intéressant. Les Kings, ça a des petites équipes qui sont venues comme Pete, ça a rendu ça, ça, Kings. Rendu ça nice. Dallas n'a pas fait les playoffs. N'oublie Light like the beam. Il y a mm. les Midi Kings, Denver? Non. Euh, non, les Warriors. Warriors. So, C'était le fun, mais quand je regarde ça, je sais qu'il n'y a, a pas une équipe que je trouve vraiment boostée live. Juste, toutes les équipes font les playoffs puis tu essaies de gagner ton ring pendant il n'y a, a pas de King. So, les, ta... les, les odds des Suns ont monté, ils genre, sont rendus genre, genre, 4e meilleure odds pour gagner le championship l'année prochaine. C'est qui les trois autres? C'est Nuggets, Nuggets. Nuggets, Boston puis je pense les Bucks box, makes sense. Mmh, ouais, makes sense. Et après tu genre les Suns, les Lakers tout euh... ah, le reste là. Ouais. Ouais, tout cas, c'est ça. Puis euh... ouais, non, la saison, mais à regarder les games, la saison était nice à parier les games, c'était c'était non, oh. J'ai eu ma des major L moi, au basket. Bon, major. plein drop les c'est aucune aucune euh... les nouvelles règles ont on fuck up toutes les les, les au début de l'année. Aucune ouais. constance euh, mais si tu parles de saison, comment t'en dis C'était nice, c'était nice. Des bons playoffs, fou first round, un, un bon first round. second round, je m'en rappelle pas, c'était correct, un bon troisième, puis la finale bleue. Ouais. Mais non, euh, en général, c'était une très tout le temps des bonnes saisons, comme tu, tu peux pas vraiment détester une saison. Ouais. Écoute, lui lutte Bobo, beaucoup de gens ont pas aimé là. Non parce qu'il y a eu un break, et ouais. après ça, ça avait un bobo puis ouais. voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est dur de détester une bizarre. saison complète. Là. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh... Tu peux détester ta team pour voir peut-être être trash, mais comme... Mais tu sais quoi? Dans le prochain sport, moi, j'ai un commentaire négatif à dire. Ah ouais? bah va bon, y aller, vas-y. Euh, que Champions League. <rire> <rire> oh, la, mais la finale, mais, mais... Non, Champions League... <laughs> la finale est toujours trash. Non. Champions League. <laughs> la finale est toujours trash. Là, regarde, j'ai... À cause que... Attends, attends, Madrid contre Liverpool, c'était intéressant, non toutes les autres games étaient nice. Non, 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 la finale l'année passée, c'était l'année passée. Non, tu es plat, c'était 1 0 0-0, OK, ma genre les quatre dernières ont fini 1 0. Waouh, ouais, non, non. Non, les gars, ils jouent avec un bâton dans le boulet, tu connais ça à sont toutes têtes, mon gars, ils jouent C'est la raison pourquoi je dis que finalement, tu sais, j'étais oui, j'étais entertain, mais à réfléchir, je trouve que j'ai pas été assez intelligent. Parce que c'était sûr et certain que Mancini allait tout gagner. Non, non, non. Oui, parce que... Non, 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 non. On parle ici, dernier épisode, vous deux vous avez dit, les gars ont « built » une team qui devait faire ça. Oui, mais ça Puis fait quand ils ont gagné, vous n'étiez pas surpris, c'était comme tous les deux, « it was supposed to happen ». Si ça n'arrivait pas, là, ça a été upset. But what happened, c'était écrit partout « que Man City allait tout gagner. Oui ou non? Oui. Non. non. Comment non? Je t'ai dit, Champions tu ne saisi. dit, et hey, what's to Cha -cha Ça Champions fait 4 ans que Man City a une team. Logique. Peut-être pas que chaque année. papier. Ouais, pas que chaque fois, chaque année dans les 4 ans, ils auraient dû gagner, mais ça fait 4 ans qu'ils ont une team. Ils ont... ils ont toujours une team qui devrait gagner. Puis, je... la fois que c'était rendu en finale, ils auraient dû gagner. Last ils ont perdu. Year... Ah, Chelsea, avez, last game, year, ouais, ouais. vous m'avez dit « Don't sleep on Madrid ». On ne parlait pas de City. On parlait de Madrid. Champions mentality. On a-tu on eu tort? Non. T'as bah, eu raison. Bah, last année, vous avez dit « Ils se sont repayés contre Man City ouais, et on perd juste cette fois 7 » Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit « Man City va aller nulle part. » J'ai dit « They to prove it to me. <laughs> » so, Si je te fais un test, c'est que je sais que tu peux te rendre là. Tu comprends? Je comprends. Ils ont un set de corps. So, about time. C'est about time. Mais tu dis, tout, chaque année, là, ils sont probablement so dans le top 4. Et deux. Okay. 2, ça. Chaque année. Puis souvent, ils perdent de, de façon stupide. C'est même pas qu'ils perdent. C'est la façon où ils perdent. L'année passée contre Real Madrid, où ils gagnaient 3-1, puis ils ont pris 3 buts, euh, 2 buts back-to-back. -back, mm -hmm. Puis ça, ils ont perdu en outil. C'est d'abord Tu vas en finale contre Chelsea. Tu as dominé Chelsea tout le long de la Premier League tu arrives tu perds 1-0 T'es même pas capable de marquer un but bro c'est bête comme ça là dit so, a toujours été la meilleure team puis contre inter c'était la même chose contre inter excuse-moi mais c'est un mauvais bon puis yo, yo avait, comme, <laughs> ils sont, en en cas, ont été chanceux game, aussi là. inter peut avoir cette chance là puis ça fini 1-0 si c'est inter qui fait ce but là ouais. la game finit 1-0 inter je pense 100%. pas dit aurait pas marqué un but parce que c'est la seule chance qu'ils ont eue. So, c'était une, une moitié de chance. Ouais, si tu m'avais dit, Mercedes avait gagné comme 4-0, 4-1, je veux qu'ils ont dominé la game. C'était vraiment meilleur qu'un terreur. C'était une affaire de une chance, une shot à un certain temps dans la game. Ça va peut-être n'importe qui. Puis après la Prem, ouais. bro, c'est leur ligue. C'est leur ligue. C'est comme la ligue de Serie A, ça, la ligue de UV pour l'instant. Mmh. Puis malgré ça, ils ont eu un stress. Bah, Arsenal, Mais, Arsena, Arsenal a overachieved toute l'année. Ouais, puis après, c'est un autre chose comme d'habitude. Mais ça, ils ont toujours ont... eu un stress. Ils ont, eu un stress. Ouais. ils ont still fini à gagner la ligue par genre 8 points. 8 ouais. ou 9 points. Ouais. Quelque chose de. Mais c'était toujours. Man City. Okay. Prove it to me. C'est ça. C est, c est Finalement, ils ont gagné. Ils ont réussi à gagner leur première. Ouais. C'est ça qui est fou. Là. Tout le monde... le... Il y a du monde qui vont croire qu'ils ont déjà gagné avant. Non, C'est leur première, première. fois qu'ils gagnent la Champions League. Après tout l'argent que tu investi, tu as, as investi des, genre 600 millions, mon gars. Okay. Genre, Donc, genre... c'était pas surprenant. Tu as, as, as brisé des financial fair play rules oui. là pour gagner ça. Tu eu genre 125 Irregulation, e e -re, e genre tax-paying, whatever scandal que tu as eu, mon gars. Tu es, dans, dans le es partout, tu es dans le rouge partout. Tu pas le choix de te rendre là puis de gagner. c'est comprends. Et c'est là que moi, ça me revient dans le fait que. C'était pas surprenant. Oui, au début, je j'étais surpris, mais finalement, je fais du recul. Puis je suis comme finalement. c'est pas aussi surprenant que la NFL que la NBA. que C'est des teams qu'on ne pensait pas qu'ils allaient gagner. Ah, les Nuggets, c'était quand même troisième l'année d'avant. Ils ont fini premier cette année. Et, ouais. pas... non, les Nuggets, ils ont fait. Dès que j'ai vu rentrer en playoff, je savais que allait en finale. Jamal Murray était healthy. Mm -hmm. ouais. tout, tout était là pour qu'ils gagnent je peux pas je peux pas t'es pas surpris de ça comme Man City man Man City fallait fallait juste que tous les morceaux soient là mm -hmm. ça fa fallait faire fallait, fallait, qu fallait juste qu'ils battent Madrid fallait juste qu'ils battent Madrid dès qu'ils ont battu Madrid c'est c'est ouais c'était leur ligue. Ben, c'est tout là Vous oh. avez un match à gagner on te l'a dit ben deux Le, Le, celui Madrid qui a gagné la, la Champions finale. League c'est celui qui gagnait Madrid Man City mm. c'est vrai ok parfait Et vous vous avez trouvé la saison comment moi ouais, Champions League était super intéressante okay. Serie A je, 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 qui aurait cru que Napoli aurait dominé comme ça? Oui, ah oh, oui, c'est rien, t'es boosté. C'est rien, boosté. J'aurais jamais cru que Napoli aurait gagné vraiment. par genre 20 points. Après, les, les Champions League pas c'était un challenge parce qu'il y a eu le scandale avec la UV, il y a Inter, il y a la Ils ont perdu des, des points, oui. ils ont eu des points, ils ont reperdu des points. C'était oui. oui. entertaining. C'était la Prem, c'était entertaining. La Prem était, oui, était nice. Je donne la prim, était nice. La, la Liga, je ne sais pas pourquoi c'était pas intéressant. Barça était le premier tout long. Madrid a donné un petit contest, mais ils n'ont pas été capables. Puis Ligue 1, ben, on s'en calisse. C'est une, une ligue de farmer. Je vais Ils foutent, oh, ouais. puis, puis Bayern puis Dortmund. Dortmund a choqué la dernière game à la dernière minute. Comme d'habitude. Pour perdre. Comme, comme d'habitude. Euh... Tu sais, moi, il y avait plein, 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 plein de situations au soccer que c'était nice. Il y a eu la Coupe du Monde Oui, Messi. Messi. Ouais. Mais tu ne peux pas dire que l'année du soccer était, est. Vrai, est un intéressante. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah, ça a été nice. C'est nice. le Rig World Cup, but it's all right. <laughs> Pas grave. <laughs> C'est lui qui paye le plus. Ronaldo n'était pas sous ça. Euh, L'Italie n'était pas là. C'est wack. Yeah. Encore. Le Canada était là, saison, était là pour la première fois. Euh, des pour des comme trois bits de participation. D'ailleurs, j'ai vu l'autre jour, t'étais très snap parce qu'ils ont perdu contre l'Espagne. Ah, <laughs> J'ai pas snap parce qu'ils ont perdu contre l'Espagne. J'ai snap de la manière qu'ils ont joué contre l'Espagne. C'était ouais. tellement plate, mais on va pas rentrer dans le. C'est l'Italie, quoi. Et puis toi? Non, moi j'aimais la saison. Euh, je ne deviens pas fou parce, qu à gagner, parce que Mentide a gagné. Faut qu'il leur C'était le bare minimum. C'est le, bare... le mmh... bare minimum. Bare minimum, c'est qu'ils gagnent la Prem. Non, 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 non. Pour moi, c'est le bare minimum. Oui, je l'ai dit en plus. Bare minimum, j'irai pu perdre toutes puis gagner le Champions League. Success. Oui, mais ça c'est tout le temps un succès. So, ils ont gagné le Champions League. Mais en même temps, ils ont fait un trouble et tout, so c'est fou que le peu minimum c'était de gagner everything mais autant qu'il doit gagner everything. C'est une bonne saison, Alan a, a pété tout le monde. Je pense encore que c'est pas nécessairement le, le meilleur, c'est pas non, je pense qu'il est pas le meilleur joueur au monde. C'est peut-être un des top qui qu'on réussi à lui donner le ballon. Le meilleur attaquant au monde. Quand lui donne le ballon il faut qu'on le faut qu'on le faut qu'on le, qu le, qu le serve. Ouais. Pour cette raison-là, Mbappé moi quelqu'un qui peut faire ses affaires sans qu'on doit le set. Qui est le meilleur attaquant au monde. C'est ça. Il peut encore upgrade son game, puis c'est ça. Tu as vu l'entrevue après la Champions, tu ne l'as peut-être pas vu, tu as peut-être vu la vidéo après. Alan qui parlait à Thierry Henry après sur les ondes de CBS, je ne sais pas quel n'est. Il demandait Il a demandé à Thierry Henry si toi tu serais moi, tu améliorerais quoi dans mon jeu. Puis Thierry Henry a dit, euh, j'améliorerai ma droite, je ferai que les défenseurs ne soient pas capables de savoir si je vais à gauche ou à droite. Puis si tu fais ça, mon gars, puis tu apprends à finir la droite, tu vas marquer 100 buts par année. C'est ça que Thierry Henry a dit. Yes. Thierry, Henry, Thierry Henry a dit ça. Bah, il, euh, bien parce que, il a raison parce qu'il ne va jamais non. sur sa droite. C'est vrai. Tu peux le, le... Inter Milan, en fait, une est vraiment bon job. Là. Il a, pour moi, ils l'ont « shot down. Ouais. Il y a eu un shot, deux shots, je pense deux shots max. Non. Un shot. Et s'est blessé aussi, ça l'a aidé. Non mais... T'es le meilleur joueur au monde là. Tu faut que Gaydibi s'est blessé. Tu dis ok, dit, okay I, got, I got this. Et pas bah, je dis ce pur. Puis même quand Gaydibi était là, il était style pas là. ah oh, il était ghost ce <laughs> game là. Mais il était so, ghost parce qu'il y a et Bastoni ont on joue une, une folle game. Non, mais je veux juste dire que quand t'es le meilleur joueur au monde, tu peux pas ghost. Tu peux pas ghost. Même si c'est avant un carton, tu peux pas ghost. Faut un coup de poing à ghost. C'est euh, 3 finales de Alain, 3 ou 4 finales qu'il joue. Puis 0 euh, but, 0 pas Non, oh, c'est ça. Wow. Euh... Oh. Okay. ça Il dit... gosse pendant les finales. So, je... C'est pas lui le, le game changer dans la non. game. Là. Je dis ça, puis je dis rien. All right. Last sport hockey durant les playoffs. Mm. Vegas, champion. Et voilà, Misogod l'avait call 10 semaines à l'avance. Non, non, pas Tu avais vrai. dit deux teams. T'avais Dallas. T'avais dit... Dallas. Non, t'avais dit les deux teams qui sont qui ont été reconstruits. Donc c'est à Vegas. Mais dans ma tête, c'est comme Dallas ou Vegas. L'équipe gagnante, les deux dans ma tête battaient. Peu importe qui jouait l'autre bord. Ouais, je comprends. Vegas a gagné. J'étais sur la théorie que les teams de Floride ont tout pour se rendre en finale. rendre en finale, vous caca. Encore une fois, c'est arrivé, Mais Andrew East, plus Juice, c'est off mais ça a été ça dans tous les sports cette saison. Encore une fois, je vous le répète, je m'attends que ça arrive la même chose aux Dolphins dans la NFL. Euh... <laughs> les, les gars vont, ils vont jouer, mais. Mais techniquement, ce n'est pas la même saison. Ouais, c'est pas grave si. Techniquement, cette, cette le... saison-là est terminée. Est terminée. Ouais, mais. Et là, la NFL commence une nouvelle saison. Comme la NHL, quoi C'est quelle... quoi l'année C'était 2022, 2023. 2020, ça. Même chose pour la c'est La NFL, c'est 2023. Non, c'est 2022, 2023, va 20, de terminer en février. Ok, d'accord. Là, la prochaine, ça va être 2023, 2024. Oui, mais... ah, T'as raison, je ne crois pas que les Miami. Mais la l'affaire a commencé en 2023, d'où ton, ton cœur, ouais. ça a commencé. Ça a commencé ton... avec le March Madness. Ton cœur, ça a commencé ouais. way back. Non, en 2023. Ça a commencé ça. au March Madness. Et il y a eu Miami. C'est ça, en 2023. Ouais, je comprends. Ça a commencé en 2023, ça fait affaire-là. Là. Bon, lui... Ça a commencé avec les Marlins. Oh. La... Ah, les Marlins se rendus au final? L'été passé. Et après, oui. après March Madness, bah, tu NFL. vois ça, tous les sports, tous les sports, ah, oui. tous les sports, wow, wow, amis, il, il en manque un, il en manque un. Il manque un, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà fait. Toi, non, toi, non, déjà sinon, fait. C'était pas assez impactful là, à faire là. Faut <laughs> que ça soit comme tu penses qu'ils vont gagner le Super Bowl, ouais. et ils gagnent pas, quoi. Ouais, ouais. Tout le monde savait qu'ils n'avaient pas gagné parce qu'ils sont rentrés en playoff, ils étaient quoi alors Tooth, String, QB yeah, exact, <laughs> exact, exact. So, ouais. Mais ouais, pour le hockey, j'ai pas écouté tout le long. Euh, Peinteuse, c'est exactement comme Miami c'est J'avais des hopes pour eux. Ils ont vieux, ils n'ont pas bien joué durant la saison. Tout le joueur était blessé. J'ai vague sur la team. Pis ils ont en fait, fait ils n'ont pas bien joué une moitié de saison. puis ils ont fait un full run. Euh, mais sinon, es, c'est nice d'avoir qu'une euh, expansion team peut gagner aussi vite. Ouais. Euh, même pour Seattle, après deux ans, ils sont déjà en playoff, puis ils ont fait un run. Euh... C'est la manière qu'ils draft quand tu as un expansion team qui ouais. is vraiment avantageux. Ouais. Mais je ne sais jeu. pas si justement ça doit limiter les autres teams qui sont déjà là mais qui ne sont pas bons, je suppose. Mais c'est parce que comme... il faut que tu choisis quel joueur tu protèges quand il y a une Expansion Team. Puis la plupart du temps, tu vas avoir un très bon joueur dans pas mal toutes les teams que tu pourras prendre for free. Non, parce que je veux dire, c'est. Le Expansion Team est, av est avantageux comparé à, on va dire, aux Canadiens là, comme là, quand ils arrivent. Ouais, 100%. Ouais. So, euh... Mais je pense c'est parce qu'ils veulent vraiment que le Expansion Team. Pung un fanbase quick. Wow. So... Bah, surtout lui à Seattle et puis avec eux, voulait que ça soit ça. Wow, ouais, Mais ouais. le concept, le concept qu'ils font pour les expansion teams est bon. Ouais. J'adore le concept comme faut que tu protèges 7 attaquants, 4 défenseurs, 1 gardien. Mm -hmm. yeah. Puis des fois, mon gars, tu es overload, tu as trop de joueurs, puis tu pas le choix de protéger... Euh... Ouais, je pense que les mauvaises teams vont, vont devoir dire, que okay, je donne tous mes joueurs, puis je fais un expansion draft. <laughs> <laughs> on, on relocate. On relocate, on va faire quelque part d'autre. Expudge ouais, Mais... moi aussi C'est le coaching aussi, là. Et le, le, les coachs de Vegas, nouveau coach. Bon, je ne no. connais pas les coachs de hockey comme ça. Oh, non oh, okay, okay, moi non plus. Moi, je sais juste que Floride, j'étais all-in, all mon gars. J'étais all-in, puis malheureusement, ils ont shit de bed, mon gars, en finale. Je sais juste que les, les Toronto font toujours la même chose. Oh. Trash. Edmonton. Trash. Avalanche, Red avec injuries. Non. Oui, Avalanche, full injury. C'est c'est full injury. So next year il devrait être meilleur. Stars, of, euh, pas Stars. Tom pas bien, ils sont fatigués. Ouais, fatigué. ils sont bon. fatigués. Ils sont bien fatigués. La dynastie est finie. Peut-être ouais. qu'ils peuvent faire un bail à la. Ils vont comeback l'année prochaine. Peut-être peut faire à la Warriors gagner une autre. Ils, ils ont jamais eu plus que, genre, un mois de congé. Ouais, d'accord, ouais. Depuis les, genre, trois dernières années ou quatre dernières années. Non, c'est vrai, mais ça veut pas ouais. dire qu'ils vont gagner next year, là. Non, mais ça va aider le fait que tu as plus de ouais, tu non, peux ils te vont te toujours... remettre tes, tes blessures. Ouais, ils vont toujours être des contenders. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est comme Warriors. On sait que des contenders, mais on sait que comme Faut que tous les morceaux soient right pour qu'ils gagnent. Oui. So, comme, même si tu vois les ouais. Tompabe bien joués en saison, en rendu en playoff, je ne sais pas si nécessairement. Pas, on ah, ils ont eu des full runs parce qu'ils ont eu un 10 millions de cash euh, cash-based parce ouais. qu'ils ont qui c'est blessé toute ça. la saison. So, euh... so, ils ont load up l'équipe exactement Et après, le gars il est revenu de la playoff c'est wack un peu ça faut qu'il change ça là mais ça, on va sur, voir qu'est-ce qu'ils vont ouais, faire ça, la Tom il peut essayer d'en gagner une autre mais c'est plus, plus le top dog là comme je pense même pas qu'ils je pourrais je me dirais dans les favoris il devrait avoir peut-être trois équipes devant eux Boston Boston c'est fini, non ils sont quand même vieux là. C'est c'est Ils et peut-être une année encore. On va, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il y a de marchand puis comme bac qu'ils ont pris. Euh... Non, Boston aussi. Je vais pas de rebuild, mais. Euh... Montréal hein? donne, donne, donne deux ans à Montréal encore. On va être good. Oh! Donne, donne deux. Bro, on va être ici. Ouais. Même date dans deux, deux ans, ans. Mark my words. On va parler peut-être d'un playoff un bon playoff run des Canadiens de Montréal. Let's go. Mark my words. Bon, vous savez... Je... Toi, tu es un non-believer. Je vais te faire un believer. Non-believer, bro. <laughs> non-believer. C'est bien. So je me dis qu'il y aura des joueurs qui vont me faire believer. Il y en a pas. Il no, y, 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 y en a deux déjà. Commence pas. Petit Cole. Ok. Pity Nick Suzuki. C'est vrai. That's not enough. Non, allez, non, date, allez, date, allez, Ils s'en viennent, ils s'en viennent. Vien. Vien. On a draft plein de joueurs. Relax, take it easy. Take it easy, on t'a dit. Les gars vont les tuer d'avant. C'est pas comme dans la NBA que, <laughs> que tu drafts Juan Benyama à 19 ans et il joue straight up dans ton stock. Non, parce que les Canadiens, ben, c'est le nouveau, nouveau GM, mais on trade le partenaire, on donne un autre team, le partenaire. Bon, voilà. c'est tout. Ça, c'est les GM d'avant. Ah, yo! Mentality, c'est culturel, cette affaire-là. Ah, c'est culturel. C'est plus, plus un Québécois qui euh, gère ça. Okay. On est good, là, t'inquiète. C'est okay. un Américain, il va cas. bien faire ça. Je Can't believe. I trust. Je believe. Que je vais voir. OK, c'est comme... Yo, si vous faites ça, je suis là, t'es là. Non, mais je vais pas, pas les 10. Je vais pas les 10. Je vais pas les 10. Comme cette saison, j'ai bien bête les Canadiens. Ils C'était pas bon défense, mais ils étaient capable de scorer du buts. Ouais, exact. Donc, so, je suis capable de gêner les Canadiens. Mais est-ce que je comme... Je m'attends pas à ce que les Canadiens aillent en finale ou quoi que ce soit l'année prochaine ça va être encore une dure année mes, mes petits enfants vont le voir l'année prochaine ça va être une dure année l'année d'après on va commencer t'inquiète on va avoir deux trois défenseurs recrues. ben recrues. Plus recrues. qui vont commencer à avoir des big minutes on va avoir des gars comme Cole Suzuki je, je le dis on demande juste à plus. Kirby Doc. un oh, playoff faire les playoffs c'est tout Nicky deux ans ils font les playoffs deux ans pour les okay. deux ans ils font les playoffs ça avait oh, du oui. sens ça avait quoi ça avait quoi 2025 ça combien de temps ils n'ont pas fait euh, ben là, ils l'ont fait l'année passée. Ah est... non, c'est vrai, non, il y a eu le run là. Bobble, ouais. Bobble il y a run. Eu, ça fait un an qu'ils font pas les. deux ans qu'ils font pas les playoffs. Ok, mais en enlevant le Bobble run, faisais-tu tu les playoffs avant hein? Euh, ils l'avaient pas fait peut-être deux, trois ans. Ouais. Ok, ok. Oh, non, ils sont là. Ils et... sont là, ils son 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 pas, sont pas à tête, ils sont pas à tête. Ils sont moitié. Moitié, moitié, moitié. À moitié, à thé, moitié. Moitié, moitié. Ok, à guys. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres mm. sujets Vous voulez parler New. Bon, pas, guys, euh, le podcast est à sa fin, à sa fin saison 2. Yeah. Merci de nous avoir écoutés. Euh, Chat out, out, Yeah. out. Oh. juillet, août, Et on est back septembre. On va être bronzer. En août, je pense qu'on va être. Mais... Non, pas en août. On, on va raconter ça, mais <laughs> en août quand même, parce qu'il <laughs> faut relative... préparer la NFL, pré yeah, depuis de même. So... En août, <laughs> je pense qu'on va être là. C'est ça. Ok, donc deux mois de break. Bien mérité. Bien mérité. Oh, on a été là chaque semaine. Bien mérité. On a essayé. On a essayé. On va upgrade. On va upgrade. Un Changement de location. Il y aura des petites affaires qui vont s'améliorer. Je d'avance On va garder ça pour la saison prochaine. Merci. On va faire un preview. Un petit preview. Merci pour le support. Yes, très apprécié. Ceux qui regardent tout le temps, des gens que je les rencontre, pour la première fois. Je dis mon nom et je dis, oh, je dis hey, ah, <laughs> casse, yes. hein. je suis déguisé. Je comment? Ah, le podcast, je ah, t'es vrai? Mais, euh, moi, je n'y passe pas, je n'y passe pas, tu Merci vrai. à Alice, faut pas oublier. Yeah, yeah, thanks, c'est très apprécié pour le support. Shout out. Et puis, yeah, qu'on s'en aille écouté. Shout out à ta baby, shout out à ma baby qui ouais, nous supporte tout le temps. It's fact, fact. Shout T'es à... con. <rire> 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 And then, no, shout out Boy, to the all, all right, it, we. out yeah we out. For like out. one We. time yeah like subscribe follow <laughs> share We. <Ciao. laughs>